On était une fosse appelée Last Chance. On avait vu une écriture sur le sable qui était thank you, thank you, thank you d'un autre groupe, c'est sûr. Puis c'était vraiment une dernière chance. Le stylet, c'est un poisson à 1000 lancers. Puis bon, j'ai dit, mais c'est 1000 bons lancers. Fait que c'est ça qui est dur. C'est un poisson qui prend beaucoup de travail. Il faut, faut payer notre temps. Il faut passer un peu de temps ici à contrôler une steelhead. Pour moi, je pense que la première expérience que j'ai eue de steelhead, j'ai eu plus que 1000 lancers puis je n'en ai pas attrapé. Et à un moment donné, on est un peu éparpillé sur la rivière et on entend « Fais chaud! » C'est Frank qui est à la fin de Last Chance, qui vient de s'accrocher sur un super stylet. Ah. Wow! Oh! Hey, man! C'est un gros unicorn, Moi, c'est la première fois que j'en voyais un stylet sauvage, là. Une espèce de gros boc avec deux lignes rouges sur le côté. Frank disait, en fait, que le nombre de lignes, c'est le nombre de fois qu'il revient en rivière. Donc, selon lui, ce boc-là, c'est la deuxième fois qu'il remontait dans le bout de clé. Vraiment, c'était super. Et là, le ton était donné. Le feeling était dedans. Tout le monde avait la chair de poule. On avait le goût de pêcher. On était crinqués. On virait à la limite un peu fou. Tout s'est passé. Tout arrive au même moment. Puis, c'est drôle quand ça arrive, tu dis « It was meant to be ». Mon cœur battait, j'avais assez peur de je sais pas quoi, t'as le perle ou je sais pas, parce que le poisson, il roulait, il prenait la ligne, il revenait. Le sentiment d'avoir un fish puis continuer en punk, hein, finalement, c'est juste fou. Malade! C'est un rêve, en fait, qu'il réalisait, Derek. Il s'est accroché, il a réussi, c'est écœurant, on est content. Bye! Bye! Yeah! C'est un peu ce que ça prend pour la stylette. Il faut avoir un esprit mais complètement ouvert, puis être capable de se donner à la stylette, de se dire, bon, ben. J'abandonne toute chance d'essayer d'en attraper une. Maintenant, je veux juste être ici. Puis c'est drôle parce que c'est là que ça arrive. C'est là que la steelhead commence à mordre. Mon premier wild steelhead au BC. Un rêve de ma vie réussi. Oh. Thank you! Thank you! Thank you! Oh, man, Frank. Pas facile. Vraiment pas facile. Oh!